Ah, comme c'est beau ici! Ouais, pas vrai, les gars? Le paysage est magnifique! Regardez, les gars, regardez! Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Refario, tourne à gauche! Va plus vite là-bas! Plus vite! Plus vite! Attention! Refario, là! Va par là! Oui, c'est juste là! Là par là! Vas-y, vas-y, vas-y! Oh putain! C'est quoi ce truc là? Oh merde! Les gars, qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends rien! Les gars, je pense que c'est une météorite qui est tombée! C'est une météorite! Oh my god, cela signifie qu'on peut le vendre super cher! Et on va devenir riche! On va gagner des millions, les gars! 4 pierres, 4 millions au moins, les gars! J'en sais quelque chose! Oh les gars, on peut faire avancer la science, ouvrir de nouveaux horizons à l'humanité. Nous en ferons un musée et deviendrons les personnes les plus célèbres du monde. Dimon, tu vas bien ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Ça vaut beaucoup d'argent ce truc, je te jure. Bien sûr, on les vend et basta. De quoi parle-t-on? On les prend et on s'en va. Non, allez. Non, qu'est-ce que tu fais? Attention. Arrête Dimon, arrête de faire ta caguette petit. Ne t'inquiète pas, quand j'étais petit, j'ai trimballé les trucs plus chauds que ça. Ne t'inquiète pas. Et voilà. C'est assez pour toi, c'est à toi. Et moi, moi, donnez-moi. Attention. Ouais. Les gars, on se casse d'ici, allez, partons d'ici. On file, les gars. Allons voir sur internet combien ça coûte. Et on les vend, vous êtes d'accord? Allez, oui, ok, on y va, c'est parti. A few moments later. Quelqu'un nous a devancé. Il n'y a pas de météorite. Quelqu'un nous a devancé. Retour à la base. Later. Les gars, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je n'ai aucune idée. Je pense qu'il faut se reposer un peu et ensuite le donner au musée. Non, pas dans un musée. Nous allons les vendre. Ok, on fait une petite sieste, après on verra. Je suis claqué. D'accord, je vais jouer sur l'ordi. Et moi, je vais regarder la télé. Oh, je me vois pas. Où je suis? Je suis parti. Oh les gars, comment c'est possible? Oh mon dieu, je file. Oh, une passe, une passe. Oh, il me reste que 2 minutes. J'ai vraiment besoin d'aller aux toilettes. Qu'est-ce qui s'est passé au juste là? Oh, je dois descendre tout de suite et dire à tout le monde ce qui vient de se passer. Qui était le chef de la 5ème République française? C'est quoi ces questions trop dures, les gars? J'arrive pas à comprendre, j'en sais rien. C'est une question facile. La réponse est Alpha Charles de Gaulle. Ah, allez, on va vérifier maintenant. Comment tu savais ça? Safario, calme-toi, je te dis. Calme-toi, c'est une question très simple. Calme-toi, vraiment. Comment est-ce possible, les gars? Stas ne fait pas penser à un intello. Les gars, j'ai une nouvelle de malade! De quelle nouvelle parles-tu? Ne crie pas si fort, Odyssée. C'est quoi tes nouvelles? Regardez, j'ai un super pouvoir! Odyssée, c'était quoi ça? Qu'est-ce que tu viens de faire? Les gars, là c'est mon super pouvoir! Et je suis vraiment super rapide! Oh, Odyssée! Qu'est-ce qu'il y a, les gars? Quelqu'un m'a frappé! Qu'est-ce qui se passe? Ah, les gars, c'était moi! C'était moi! Comment t'as fait ça? Eh les gars, j'ai la super capacité de devenir invisible quand je veux! C'est quoi ce bordel, les gars? Cette famille de merde, je comprends pas! Pourquoi vous faites ça? C'est quoi cette farce? C'est pas possible, ça! Je vous dis, s'il vous plaît, arrêtez vos blagues à la con! Ça suffit! Mais vous êtes complètement cinglés, faire des choses pareilles à la maison! Odyssée, qu'est-ce que tu fais là? Non, c'est moi, Odyssée! Et ça, c'est Rafario! Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Je suis Rafario, je suis pas Odyssée. Qu'est-ce qui se passe ici? Les gars, calmez-vous, j'ai une idée. Rafario, tu peux te regarder sur ton téléphone à travers la caméra ou pas? T'es balivernes, donne-moi ton téléphone, je vais regarder. Tiens, s'il te plaît. Quoi? Oh, c'est vrai, je suis Odyssée. Et pourquoi est-ce que j'ai les cheveux blancs? Et pourquoi je suis chevelu comme ça? Et pourquoi suis-je si petit? Oh mon dieu, je peux pas le croire. C'est fou ce qui m'arrive. Les gars, j'ai compris ce qui se passe. Cette météorite que nous avons trouvée a donné à chacun de nous des super pouvoirs. Vraiment? Exemple,
Odyssée est beaucoup plus rapide. Moi, je suis intelligent, Dimonde devient invisible et Raffario peut se transformer en n'importe qui. Oh, incroyable! Maintenant, voyons si je peux redevenir Raffario. Oh, c'est cool, c'est très bien ça. Oh, donc là, maintenant, on est des super-héros. Vous pouvez aussi être des super-héros, les gars, en vous abonnant pour découvrir quels sont vos pouvoirs, vos super-pouvoirs, les gars. Ouais, les gars, il y a des choses très sérieuses qui se passent dans cette maison. Les gars, écoutez-moi très attentivement. Ce sont les météorites que nous devons surveiller de très, très, très près. Parce que si on les perd, on n'a plus rien et on perd nos pouvoirs. Est-ce que vous comprenez? Stas, mais t'es intelligent, dis donc. J'arrive pas à croire que tu puisses être comme ça. Je te connais depuis ta naissance. Raffario, heureusement ou malheureusement, mais j'ai changé maintenant. Later. Cherche les diamants! Cherche les diamants! Je cherche, Odyssée, je cherche, tu ne vois pas? Dis-moi, attention, il y a des zombies! Oh, je peux pas, on doit partir! Oh, je vais mourir! Non! Non, les gars, je suis mort, je n'arrive pas à le croire! Oh, mon pote, d'accord, je vais au chiot, Dimon! Ouais, d'accord, vas-y, oh, mes amis, je dois rejouer encore! La 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 la. Les gars, Dimon joue trop au jeu vidéo. Je veux l'arrêter. Maintenant, je vais lui faire une blague. Oh, les gars, et si on faisait une blague à Dimon? Allez, venez ici, les zombies. Je vais vous tous détruire. Hop, ah voilà. Allez. Vas-y. Odyssée, t'es con? Tu fais exprès? Laisse-moi tranquille. Ne touche pas à mes écouteurs. Vas-y, on continue. Mais laisse mes écouteurs tranquilles. Quel enfant gâté tu es, c'est vraiment incroyable. Oh, j'ai trouvé de l'or. Et qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu as éteint l'écran? T'es qui? T'es complètement dégénéré ou bien? Allô la Terre? Bordel. Ouais. Oh les mecs, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Arrête, je te dis, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? T'es stupide. Arrête maintenant, je te dis stop. Tu as de vrais problèmes, tu sais. Les gars, je peux pas croire ce qu'Odyssée a fait. Il est sur le point de voir ce qui va se passer. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle pleut à l'intérieur? Je ne comprends rien. C'est quoi? De la pluie? Pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu te moques de moi, Odyssée? Ce n'est pas toi qui m'as cassé mon clavier! Quoi? J'étais assis ici à jouer avec mes jouets! Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Je t'ai vu! C'était peut-être Raffario? Et il a pris ta forme et m'a confondu, Odyssée! Oui, dis-moi, peut-être! Je t'assure que je n'ai rien fait! Regardez ce qui se passe, les gars! Oh, Odyssée, je suis désolé, allons chercher Raffario! Oui, cherchons-le! Ah. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Ils ne me trouveront jamais. Je suis devenu une plante verte. Raffario, où es-tu? On te retrouvera. Où peut-il être? Une fleur, un mixeur. Ouais. Oh, tu entends ça? Je pense que cette fleur, c'est Raffario. Raffario, ça suffit. Redeviens un être humain normal. Raffario, tu vas bien? Qu'est-ce que t'as fait? Regarde ce que Dimon m'a fait. Ouais, pourquoi tu as cassé mon clavier? Vous n'êtes pas innocent non plus, vous. Qu'est-ce qu'il vous dit? Ne blaguez pas, peut-être. Qu'est-ce qu'il dit? C'est ta faute. On se calme. Tu sais ce que Raffario a fait? Cela fait aucune différence. Nous avons tous des capacités et nous devons les utiliser pour une bonne cause. Pour la bonne cause, Stas, c'est-à-dire? Au lieu de s'amuser, de faire des blagues débiles, nous devrions aider notre prochain. Vous comprenez? Les gens qui en ont vraiment besoin. Je suis d'accord. Oui, c'est une très bonne idée. Stas, pourquoi tu accroches une météorite autour de ton cou? Parce que c'est comme ça qu'on doit faire. Non, rends-le-moi maintenant. Papa Stas, rends-le-moi. Maintenant, remettez-le à ma place, donne-le. C'est ça, beau garçon, et ne le touchez plus jamais. Si les météorites ne sont pas avec nous, nous n'aurons pas de pouvoir. Vos météorites, où sont-elles? Ils sont dans nos poches, c'est super. Voilà. Super, il est très important que vous ne les perdiez pas. C'est pourquoi je veux que tu les accroches comme ça, comme moi, d'accord? C'est une très bonne idée, parce que nous pourrions les perdre involontairement. C'est pourquoi je vais vous donner des uniformes comme le mien. Vous les mettez et vous sortez pour aider les gens. Et toi, tu vas faire quoi, par exemple? Dis-moi. Je suis le plus intelligent ici et je vais tout contrôler depuis chez moi. Maintenant, allez mettre vos uniformes qui sont là-bas et allez sauver le monde. C'est vrai, allons-y. Yo,
Donc, j'ai des takiwaki pour vous, pour que nous puissions communiquer. C'est pour toi, Raffario. Voilà, c'est pour toi, Dimond. Et ceci est pour oui, toi, Odyssée. Oui. Oui, tu dois rester en contact avec moi 24 heures sur 24. Okay. Oui, c'est ça, bravo. Gardez-les avec vous tout le temps. Bravo. Donc, votre première tâche est de sauver un animal, de le faire descendre d'un arbre. Il est situé ici. Tu dois y aller et le sauver. Une petite fille a demandé notre aide. Allez-y. On arrive. Ah, je suis très fier de ces gars-là. A few moments later. Aidez-moi, c'est mon chien. Nous sommes là pour t'aider. C'est quoi ton problème? Mon chien, là-haut. Qu'est-ce que le chien fait là-haut? C'est pas un chat, c'est un chien. Il l'a vu, un chat là-haut, il l'a poursuivi, il est resté coincé là. Ne t'inquiète pas, alors Raffario et Odyssée, mettez-vous au travail, commencez. Je commence. Allons-y. Alors, je suis prêt, transformation en échelle. Aïe aïe aïe, Odyssée. Et maintenant, t'es un troupe de bonnes mains, ma petite. Tiens ton toutou, il est en sécurité. Merci beaucoup, au revoir. Bravo, Odyssée le géant, bravo. Comme ça, continue comme ça, ouais, Odyssée. Je sais. Ah, les gars. Bravo, Raffario. Seulement j'ai l'armée, les gars, comme toujours. Ouais. Oh, ce sont des super-héros, je vais le mettre sur YouTube. J'ai l'armée, les gars. Allons-y, ouais. Allez. Il y a des nouvelles, Mike. Ils viennent de poster une vidéo de quelqu'un avec des dons extraordinaires. Jetons un coup d'œil. Mais ce sont nos pierres. Oui, Mike, t'as raison. Maintenant, nous savons qui les a pris. Juste un instant. Laisse-moi les géolocaliser. Là-bas, c'est ici. Allons-y. Allons-y. Les gars, ici il y a plus de gens qui demandent de l'aide. Vous devez aller rapidement dans le prochain quartier. Il y a eu un vol. Vous devez l'aider rapidement. Maintenant. Il a volé mon sac. Qu'est-ce qu'il y a? Il a volé mon sac. Faites quelque chose, s'il vous plaît. Pas de problème. Et donc, Raffario, comment? Je vais me transformer en corde maintenant. Odyssée, prépare-toi. Odyssée, attrape-le. Je suis prêt. Qu'est-ce que je viens de voir? Comment a-t-il pu courir si vite? Et pourquoi l'autre s'est transformé en corde? Pour dire la vérité, c'est une très longue histoire. Enfin, j'ai gagné quelque chose. Mon salaire. Mon argent! Ce n'est pas le tien! Ne refais plus jamais ça, sinon t'iras en prison. Quoi? Où est-il? Où est mon sac? Peut-être qu'ils se sont perdus. Ils sont là, les voilà. Merci beaucoup. Bonne continuation à toi. Seulement j'ai l'armée. Bravo, ouais, Odyssée, ouais. On a réussi, ouais. Ouais. J'ai l'armée. Oui, on a bien fait. Qu'est-ce qui se passe? C'est une conquête. Récupère les météorites qui sont sur lui. Et mettez ceux-là dans la voiture, parce qu'ils savent trop de choses. On les a eus. Retour à la base. Les gars, il y a un signal manquant. Il a dû leur arriver quelque chose, une bonne chose. Et c'est que je peux les trouver parce que j'ai mis une puce dans leur costume. Donc je peux voir où ils sont maintenant. Jetons un coup d'œil. Ah, je les ai trouvés. Ils sont là, juste ici. Et là, je vais aller les sauver. Mais d'abord, je vais vous parler d'une arme que j'ai faite moi-même. Elle gèle absolument tout. Elle se transforme en glace. Je peux en avoir besoin très bientôt. Et j'ai aussi ce mécanisme que je peux utiliser pour ouvrir n'importe quelle porte dans le monde avec quelques codes. Très bien, allons-y. A few inches later. Ce n'est pas notre faute, non. Nous avons pris ces pierres juste pour faire du fric. Oui. C'est moi, je voulais vous le rendre, je veux vous aider. Je suis une bonne personne, c'est vrai. Nous ne sommes pas des voleurs, nous sommes bons. Ouais. Si elles sont à vous, prenez-les et laissez-nous partir. S'il vous plaît, laissez-nous partir. S'il vous plaît, ce n'est pas notre faute. Ce n'est pas notre faute.
John, ils parlent beaucoup trop. Il faut scotcher leur bouche. Avec plaisir. Non, non, s'il vous plaît. Allons-y, John. On a des choses à faire. Ouais, allez. Juste ici, il y a l'entrée, mais elle est fermée. Mais j'ai une solution. Laissez-moi penser à un code et nous allons ouvrir cette porte. C'est ça. Super, c'est ouvert. Maintenant, allons à l'intérieur. Le prochain code... C'est bon. Les gars. Les gars, calmez-vous, je suis là pour vous sauver. Ah, le quatrième, bienvenue, t'es venu tout seul. Il est temps de vérifier si ça fonctionne. C'est bon, allez, lève-toi. Odyssée, laisse-moi te décoller. Comme ça, ouais, c'est bon, on part. Calmez-vous, les gars. On doit prendre nos pierres et y aller. Ok, ok. On y va. Allons les chercher rapidement. On y va. Les gars, attendez, écoutez-moi. Je pense qu'il est temps de se débarrasser des météorites. Pourquoi tout d'un coup? Tu ne veux même pas qu'on les vende? Mais c'est trop amusant. Non, parce qu'avec ces météorites, nous n'avons que des problèmes. C'est pourquoi il est temps de les décomposer, les gars. Allez, on les pose d'accord, par terre. D'accord, je suis d'accord. Bon, ben, je suis d'accord. C'est l'heure et je l'enlève. Tot papa, eh oui, eh oui, c'est moi, super. Allez, on les pose par terre. Maintenant, il est temps de les détruire. Écoute, John, c'est une bande de voyous. On n'arrive pas à les prendre la main dans le sac depuis un an. Même la crème de la police n'y arrive pas. On a besoin d'inspecteurs aussi couillons que nos voyous pour les attraper. Tu comprends? Il nous faut des mecs complètement cons. Et comme ça, on arrivera à les choper. Je connais quelques idiots qui seraient bons pour ça. S'ils n'y arrivent pas, personne d'autre n'y arrivera. T'es sûr de toi, John? Tout à fait. Ils ont déjà échappé à un dangereux clown, se sont transformés en enfants, ont tué Granny, ont attrapé des fantômes, ont marché jusqu'à Thessalonique. Et tu sais qui ils sont? Ce sont GHO. Aujourd'hui, on tourne 24 heures sur 24. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as encore fait, Afario? Les bras, à vous, par terre, torse, les mains, les bâtards, Quoi? Oh merde, Rafario, qu'est-ce que tu as fait encore? Mais pourquoi on est en détention? J'ai dû oublier de tirer la chasse d'eau, les gars, voilà pourquoi. Debout, les mains derrière le dos. Les mains derrière le dos. Allez à la voiture maintenant. Les mains derrière le dos maintenant. Ça fait mal. Allez, on maintenant, on entre à l'intérieur. Vous montez. Allez, plus vite. Qui a pété? Dis-moi, espèce de porc! Arrête de péter! Non, je veux faire pipi! Je n'ai pas pété! Rafario, c'est toi? Peut-être ça bien pue, que c'est moi! Ça pue! C'est quoi le problème? Later. Qu'est-ce qui se passe? On est où? 20 minutes later. Rafario, tire! Oh, ça pue! Allez, pourquoi tu as fait ça? À toi maintenant! Vas-y! Bon, c'est moi le patron! Oh mon dieu! John, regarde-les! T'es sûr qu'ils peuvent le supporter vraiment? Tout à fait, oui! Oh. Allez, que tout le monde se calme et venez par ici! Nous avons une mission pour vous. Quelle mission? Regardez un peu cette vidéo. Il est balèze. Comment il a fait pour sauter comme ça? C'est cool, trop cool. Ce sont des voleurs très dangereux. Votre mission est de les attraper et de les mettre en prison. Facile!
Oui, mais on a des conditions. Quelles sont vos conditions? Nous sommes prêts à accepter toutes vos conditions. Oh, super, super, on sait exactement ce qu'on veut, c'est sûr. Alors d'abord, une piscine de slime. Mais d'abord, je veux qu'on nous apporte une pizza. Une pizza. Non, pas de pizza, un hamburger. Une pizza et un hamburger. Oui, et un trampoline, faire... ouais. Un trampoline. Une PS5, une PS5. Ouais. Une PS5. Ouais. Ou même super. Deux. One eternity later. Et la dernière chose qu'on demande, c'est de la glace. 10 boules de glace, c'est possible? Ouais ou non? Ouais. T'as ça. Bien sûr. Regarde comme ils sont beaux. Mais d'abord, les petits gars, vous devez être formés par nous. Eh ouais. Vous serez formés par un professionnel, mais ce ne sera pas facile. Ouais, bien sûr que ça va être très facile. Ouais, allez. A few moments later. Allez, qu'il arrive plus vite là, on est déjà prêts les gars. Lui, ouais. Il va nous entraîner, nous sommes à l'armée. Nous n'avons pas besoin d'être entraînés, nous sommes déjà en forme. Les gars, qui veut venir maintenant? Peut-être qu'il y a un sumo de 100 kg ou il y a un judoka et nous s'assumera tous. Hey, dis-moi, on s'en fout qui c'est, on s'en fout, on est là. Regarde, stress pas pas mec. Regardez-moi ça, musique à nom comme ça. Qu'est-ce qui est si drôle? Je suis venue pour faire de vous des vrais mecs. Alors, mon nom est Dina. Oui, chef, oui. Mon travail est de faire de vous des flics professionnels. Mademoiselle Dina, peut-être vous avez fait une erreur et nous devons vous apprendre à vous battre plutôt. On verra ça. Mon objectif est de vous préparer à votre mission. Qu'est-ce qu'elle a dit? Nous sommes prêts à tout, comme toujours. J'ai la paix, sachez-le. Allons sur le ring alors. Mademoiselle, je suis un homme bien élevé, je ne frappe pas les femmes. Peut-être que t'as peur de te prendre une dérouille. Non, c'est parti, allez, vas-y. Ouais. Bravo, Dimon! Allez. Oh, mes amis, je crois que je suis en train de perdre. Oh. Dimon, tu dois être sur la gauche. Frappe à gauche, à droite, encore à droite, puis à droite. Droite, gauche. Peu importe comment je frappe, ça ne m'aide même pas. Bon, t'es prêt? Allez. C'est parti. Il a perdu, regarde. Je vous le dis, je ne frappe pas les femmes. Il est temps de se ressaisir, mon Dimon. Allez. Seulement j'ai l'armée. Allez, Stas, tu es capable. Allez, lève-toi. Ma jambe. Allez. C'est fini, j'abandonne. Allez. J'ai l'armée. Mademoiselle, tout va bien. Laissez-le tranquille. Il est temps maintenant de combattre. Allez. Allez, vas-y. Tiens-toi. Merde, Raphaël, t'es nul. Raphaël, c'est bon, doucement. Détends-toi. Les gars, je vous donne une dernière chance. Vous êtes tous contre moi seul. Nous sommes d'accord, mais nous prendrons les objets que nous voulons. Prends ce que tu veux. Nous sommes prêts. Non, ça fait mal. Facile. Non. Impossible, ce sont des incapables. Rien à faire avec eux. J'ai compris, ils sont prêts. Super, alors mon petit Johnny, équipe-les et amène-les jusqu'ici, d'accord? Parfait. Later. Super, nous avons une information qu'il va y avoir un vol aujourd'hui. Au magasin nommé Blabla Toys. Bien reçu! Votre travail consiste à les appréhender. Allez, venez par ici. Tu es sûr qu'on peut leur donner des armes, cela? Je pense que oui. Alors, bonne chance.
aller. Prends-le, tu m'entends? Comment ça se passe? Ouais, j'entends. Tu vois un truc, ça va bien? Ouais, d'accord. Super, t'inquiète pas, ne t'inquiète jamais, les meilleurs de gel armé, abonnez-vous! Dimond, monte là-haut, je vais te prendre en photo, vas-y! Vas-y, vas-y comme ça, hein? Ouais, comme ça, super, t'es beau gosse, Dimond. Les gars, les voleurs sont rentrés à l'intérieur. Allons les chercher, allons-y. Très bien, les gars. Laissons le sac ici pour une action plus rapide. Allons-y. Oh, les gars, on va le faire ensemble. On a du boulot. Moi, je vais tout droit. Je vais à gauche. Je vais à droite. Je vais attraper les voleurs, misérables voleurs. Oh, des voitures. Comment elles sont cool. Mais j'ai une mission, n'oubliez pas. Les gars, mettez tous dans le sac rapidement. Attention, Raffaello! Pourquoi tu me dis de faire attention? C'est toi qui dois faire attention. Reste hors de ma vue, t'as compris? Trop du cul. Allez, t'es vraiment un boulet. Parce que les cons, c'est pas possible. Oh, les voleurs! Courez! Raffaello, attrape-les! Vous allez où? Eh, Raffaello, qu'est-ce que tu fais là? Dimond, au secours! Dimond! Viens ici, je t'ai trouvé. Oh, c'est des beaux chaussons. Je l'ai attrapé, mec, finalement, on vous a attrapé. Où sont les autres? Allez, où sont les autres? Parle. Où sont les autres? Tu vas parler tu ou pas? Parler. Les gars, c'est la pire honneur du monde, là. On t'emmène au poste maintenant. Tu vas parler pour sûr, mon gars. Ouais, exact. Later. Il parle pas. Alors, on va faire quoi maintenant? Laissez-nous essayer. Vous? Nous, on n'a pas pu. Nous avons nos propres moyens secrets. Maintenant, vous allez voir comment il va craquer et tout nous dire. Allez, les gars. Ouais. Ah, mon ami, tu as de gros problèmes maintenant. Pourquoi est-ce que tu ris? Tu penses que nous plaisantons? Écoute, Raffaello, il ne parle pas. On doit appliquer nos méthodes pour le faire parler. Tiens, c'est super. Tu parles pas? Hein? Tu penses pas? Bah, quoi? On va voir. Alors, on va gagner ce par là. 1, 2, 3. Je pense qu'il n'a pas eu du tout mal. Il est têtu, dis-nous, il parle pas. Tu vas parler, parce que nous sommes déjà alarmés. Et nous allons vous déchirer, tu vas voir maintenant. Et nous avons une boîte secrète pour toi aussi, mon ami. Où sont les autres? Dis-nous où sont les autres. Oui, le reste de votre gang, dis-le maintenant. C'est la dernière fois que je te demande, où sont les autres? Il ne dit rien, Raffaello, allez. Je tiens ça. Dis-moi, vas-y, t'es prêt? Tire. On y va. Allez. Tu as mangé du petit pois ou quoi? Allez. Tu vas parler. Il parle pas. J'ai une idée. Quelle idée? On va le chatouiller. Soulève-la. Soulève ta chemise. Allez, t'es prêt? Mais qu'est-ce qu'ils sont tous rudes? Je voudrais pas vraiment être à sa place. Tu vas parler? Tu vas parler? Super, vas-y. Ils ont oublié le sac avec l'argent dans le magasin. Elles doivent revenir dans 2 heures pour le récupérer. Dans 2 heures? Il faut y aller et les prendre sous le fait, c'est clair? Tu vois, on est des gars cool, donc tu devrais l'être aussi. Comme ça, personne te punira jamais. Alors inscris-toi pour être cool comme nous, d'accord? C'est très important. Et on va aller attraper les cambrioleurs maintenant. Vous allez voir. Allez, c'est parti, on y va. Allons-y. Nous venons d'apprendre que ce soir, les voleurs reviendront au magasin pour récupérer leur affaire qu'ils ont oublié. On l'a fait parler. Ils ont oublié un sac à l'intérieur. Avec de l'argent. Très bien. Allez-y et finissez votre mission, les gars. Bien sûr. Affirmatif. One hour later. Les gars, nous sommes venus préparer cette fois, mes amis. Eh ouais, regardez.
Mes amis, comme nous le savons, ces voleurs sont très rapides et nous les attraperons de cette façon. J'ai de l'huile ici et va la verser sur le sol, de sorte que lorsqu'ils courent, ils glissent. J'ai la super colle ici. Quand ils glissent, ils tomberont sur la colle et ils seront complètement collés. C'est comme ça qu'on les attrape. Et c'est comme ça qu'on les attrapera, mes amis. Voici le sac qu'ils ont oublié. Stas, tu es si intelligent. Allez, mets de la colle. Vas-y, mets en plus. Là, ici, là, là. Super. Ils vont y marcher, ils vont sauter. Allez. Super. Maintenant, on va verser de la colle. Juste ici. On étale la colle, mes amis. Bien, bien. Mais c'est bien, elles resteront ici et on les attrapera. Ouais. Super idée. Allons nous cacher dans le fond là-bas. Allons-y. Allez, on va les attendre. 2 hours later. Comme ça. Vous êtes passé dans votre piège, les gars. Ouais. Désolé, hein. Ne déconnez pas avec GL Armès, sachez-le, les gars. Allez, on les prend et on les amène au poste. On va les mettre en prison. Allez, on y va. Later. Allez, on entre. On vous a enfin trouvé. Vous puez. Bravo, les gars. Félicitations. Merci, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un honneur pour nous de vous aider, camarades. Bravo à vous. Félicitations. Merci. Bravo, félicitations. Merci. Bravo, félicitations. Aujourd'hui, Stas et Raffario vont survivre dans une piscine glaciale et une piscine chaude. Mes amis, les gars, je préfère aller à la piscine froide parce que je préfère l'eau froide à l'eau chaude qui est brûlante. Et ouais, c'est trop nul sinon, ouais. Et je préfère la piscine chaude parce que j'aime le sauna, le hammam et tout ça. Les gars, vous savez. Et celui qui arrive à tenir jusqu'à la fin va gagner 1000 euros. Et mon ami, Stas, va dans la piscine glaciale. Easy peasy, lemon squeezy. Non, Stas, tu ne peux pas changer de piscine, alors vas-y dedans. D'accord, j'y vais. Allez, c'est froid. Oh putain, c'est vrai, c'est trop froid pour moi, ouais. J'ai la pitié. Mes amis, je veux que vous sachiez que l'eau glacée passe par ces tubes, mais nous allons aussi verser des glaçons dans la piscine. Des glaçons? Des glaçons? Mais vous êtes coupé beaucoup. Pas de glaçons, pas de glaçons. Regardez, nous avons de la glace, ouais. Ah, c'est froid. C'est trop froid, vraiment, c'est trop froid, je vous dis. Raffario, ne rigole pas, maintenant tu vas dans la piscine chaude. Pas de problème, j'aime l'eau chaude, allez, hop. Chaud, chaud, brûlant, chaud, brûlant. Dis-moi, c'est interdit d'avoir de l'eau chaude. C'est trop chaud, ça brûle. Raffario, assieds-toi, j'ai un cadeau pour toi, allez. Les amis, j'ai trop chaud là. Raffario, regarde ce que j'ai pour toi. Encore de l'eau chaude, allez, 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 allez. Non, s'il te plaît, Dimon. Très voilà. Chaud, s'il te plaît, je peux pas le supporter. Changeons de piscine. Allez, dépêche-toi, s'il te plaît. Non, Raffario, on ne peut pas échanger. Mais aujourd'hui, nous allons aussi avoir des défis avec la roue de la fortune. Oui, Dimon, fais tourner la roue de la fortune pour que j'obtienne quelque chose de bon. Parce que j'ai vraiment froid, les amis, je vous assure. Très bien, Stas, je commence à la faire tourner. Commençons. Quelque chose de bon, s'il te plaît. Jette-toi un coup d'œil. Qu'est-ce que j'ai, dis-moi. Une soufflerie d'air glacé. Mes amis, j'ai déjà assez froid comme ça. Et si ça me souffle dessus, je suis foutu. Là, dis-moi. C'est parti. Allez, Dimon, viens vers moi, s'il te plaît. J'ai trop chaud. Souffle un peu sur moi. Un petit peu, souffle. Non, Raffario, ton tour viendra bientôt. D'accord, Raffario, voyons ce que tu obtiens. Qu'est-ce qu'il y a, Dimon? Tu as droit à un radiateur chaud. D'accord, Raffario, je mets le chauffage à fond et ça va être chaud. Réchauffe-toi.
faites moins, les gars. C'est illégal, c'est illégal. Sachez-le, vous n'avez pas le droit de faire ça. Ah, c'est trop chaud. Éteins-le. Éteins-le vite, s'il te plaît, Dimon, je t'en prie. Éteins-le vite. Vas-y. Stas, je veux venir te rejoindre dans ta piscine. Moi aussi, Raphaël, je vais aller dans la piscine chaude. Tu veux changer de piscine? Ouais, s'il te plaît. Il fait trop froid là. Quel terrible défi. Les amis, si vous regardez cette vidéo, mettez un like, abonnez-vous à coup sûr, soutenez-nous un peu. Dépêchez-vous. Hé, les pleurnichards, arrêtez de pleurer. Stas, je viens te voir maintenant. Allez, dis-moi, fais tourner. Quelque chose de chaud, quelque chose de bon, s'il te plaît. C'est parti. Finissons-en, je n'en veux plus. Stas, tu as du KFC. Ah les amis, c'est vraiment trop cool, parce que le KFC sont la mer, et je vais me réchauffer un peu pour que ce soit moins froid. Apporte vite un KFC, putain, apporte vite un KFC, allez. Mes amis, regardez comme ils sont appétissants. Mes amis, je vais le manger, et puis je vais me réchauffer, c'est sûr, ils sont bons, je vous l'ai dit. Non, ils sont chauds en plus, c'est trop chaud, c'est bon. Eh, démon, éteins ça! Ah, vite! Ouais, Raphaël, c'est fini, je vais l'éteindre! Les gars, je vais être honnête avec vous. C'était très extrême. C'est la première fois de ma vie que j'ai eu aussi chaud! Très bien, et c'est parti! Et KFC pour Raphaël! Non, mes amis, c'est de l'arnaque. Ils sont très épicés, je peux pas les supporter. J'ai peur de perdre ce défi. Je veux pas le perdre. Les amis, je me sens beaucoup mieux que cette merde américaine. Je me sens... Rends-moi ça, rends-moi ça. Raphaël, tiens. Mes amis, regardez. Waouh, c'est épicé. Je peux pas. Ça brûle. Qu'est-ce que je vais faire? C'est pas juste, j'étais tellement bien le KFC, putain. On continue à faire tourner, on ne bavarde pas. Et c'est parti. Quelque chose de bon, s'il te plaît. Un chewing-gum est tombé. Un chewing-gum, mais c'est quoi cette merde, Dimon? C'est pas un chewing-gum que je fais, moi. C'est un chewing-gum glacé à la menthe. Tu as vu un chewing-gum à la menthe, j'ai encore plus froid, c'est la merde, tout ça, j'ai la derrière, quoi. Versons le chewing-gum à la main. Ouais, maintenant, mes amis, on va aller manger. On t'a fait 6 mois dans la piscine, on t'a la froidir davantage à cause des chewing-gums. C'est bon. Je vais mourir, maman. Allez, j'ai trop chaud, moi. Et changement, allons-y. Viens de voir, mes amis, j'ai vraiment froid. Raphaël, tu as des Doritos! Donne-le-moi! Des Doritos! Épicés Doritos! Non, pas de Doritos, s'il te plaît! Non! C'est les Doritos les plus amers! Je ne veux pas perdre le défi, je dois manger ça! Les copains, regardez! C'est brûlant! Au secours! Au secours! Je pense qu'il est temps du tour suivant pour Stas! À voir! N'hésitez plus à faire du bon quand même pour moi, Daniel! Stas, tu as eu la veste! Oh, super! La veste me réchauffe enfin, ça va être bien, ouais! Ça va être trop bien, ouais! Oh, ça va être super, bien sûr, si, ouais! Mes amis, Stas ne sait pas ce qu'il attend! Il va devenir fou! Regardez! Cette veste est gelée, elle est restée dans mon congélateur depuis une semaine. Très bien, dis-moi, donne-la moi, merci. Voilà, une veste congelée. Non, elle est gelée, les gars, c'est pas juste. C'est pas possible, ça, elle est dure comme du carton. Oh, mais c'est pas possible. C'est dur en plus. Aïe, c'est trop dur, ça. Ne pleure pas, Stas, tu dois le mettre, c'est la règle du jeu. Mais non, s'il te plaît, c'est pas possible, un truc bien, je veux pas de la merde comme ça gelée, là. Je peux même pas la mettre. Mais c'est pas possible, t'as touché les deux. Mais c'est pas possible, regarde-moi ça, c'est de la vache gelée, mais j'ai pas envie.
Regarde-moi, c'est froid, c'est froid, c'est froid, j'en peux plus. Raffario, à toi de jouer. Prochain tour. Je veux me rafraîchir, les copains. Raffario, tu as des gros anglais. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Tu as un patch au poivre. Attention, ça pique beaucoup. C'est pour ça que je porte des gants. Mes amis, quel genre de défi est-ce? Écrivez-le dans les commentaires. C'est très effrayant. Et voilà, comme ça. Et on met un pansement dessus. Qu'est-ce que je fais maintenant, hein? Enlève ton t-shirt, s'il te plaît. Un défi, c'est un défi. Je dois gagner 1000 euros à coup sûr. Ça va un peu mieux maintenant, hein? Maintenant. D'accord, ouvrons alors. C'est super. Et appliquons-le. Ouais. Allez, par ici. Et l'autre juste là. Je ne sens rien, les gars. Raffarion, tu le sentiras dans 3 minutes. D'accord, j'attends. Tout va bien, mes amis. Il faut faire quelque chose parce que là je peux même plus porter cette veste de merde, je te jure, je peux pas rien faire là. D'accord, changeons de tâche, on va voir si tu as de la chance. Peut-être que j'aurai de la chance cette fois. Les amis, Stas a une banane. Super, je vais enlever ma veste de merde et manger une banane. Ouais mec, je suis trop content. Les amis, ça brûle vraiment maintenant, c'est vraiment trop chaud, ça brûle vraiment beaucoup. Je ne sais pas combien de temps je vais encore pouvoir supporter, je ne sais pas du tout. Mais tu rapportes une banane pour moi? Tiens, prends ta banane congelée! Ouais, mais pourquoi c'est froid comme ça là? Ah, mais c'est dur comme un caillou, dis-moi, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait au monde entier? Tu la manges, Stas, tu la manges! Dis-moi, je ne peux pas me faire ça, qu'est-ce que tu fais? C'est très chaud, ça brûle vraiment, je peux pas, je n'en peux plus! Mes amis, ce tour a malheureusement mal tourné. Raffario a réellement eu des brûlures et nous ne pouvons pas vous le montrer car c'est une situation plutôt grave. Nous l'avons donc supprimé du montage parce que YouTube ne nous laisse pas le montrer, mes amis. Mes amis, tout a mal tourné et je me sens vraiment mal. Mais vous pouvez m'aider si vous mettez un like. Je serai très heureux. Et abonnez-vous tous aussi, hein, n'oubliez pas. Raffario, nous continuons à faire tourner la roue, alors? Allez, dis-moi quelque chose de bon, s'il te plaît. Raffario, tu as une soufflerie froide. Oh Dieu, merci. Merci beaucoup, dis-moi. Merci. Je vais me rafraîchir parce qu'il fait vraiment chaud, je ne peux plus. Pas du tout. Raffario, c'est ton coup de chance. Rafraîchis-toi. Ouais, ici, derrière. C'est parfait, ouais. C'est terminé, Raffario, Stas, c'est ton tour. Et ouais, bon, les amis, j'ai mal à l'élire. Allez, à mon chat, je vous dis, ouais, dégage, allez, dis autre chose, un truc. Voyons ce qu'il y a. Quelque chose de bon. Stas, tu as un gros bloc de glace. Un gros bloc de glace? Et de quelle taille? Comme ça, là? Ou plus comme ça? Ou comment je fais? Un si gros bloc de glace. Mais t'es complètement con, connard. Mais comme tu veux que je... J'ai froid. Oui, non, mais là, mais j'en peux plus. Tiens-le, tiens-le. C'est froid partout. J'en peux plus, j'en ai marre. J'en peux plus. Les amis, bougez pas, je vais aux toilettes. Chut, les amis. Stas, donne-moi, s'il te plaît, parce qu'il fait très chaud. Tu peux me laisser le garder J'ai froid. Allez. C'est bien. Une piscine chaude et de la glace froide. Super. Raffarion, dis-moi, reviens, lance-la vite. J'ai froid, bravo Stas pour avoir tenu le coup. Très bien, Raph, j'annonce le nouveau tour. Quelque chose de bon, dis-moi, je t'en prie. J'ai très chaud.
Le sceau, s'il vous plaît. Le sceau rouge, qu'est-ce que ça veut dire? Dis-moi, s'il te plaît. Tu verras, Rapario. Allez, dépêchez-vous, les copains, j'ai froid, je suis vraiment épuisé, j'en peux plus, les gars, allez, je me refais, j'ai froid. Ça veut dire un sceau rouge d'eau chaude. Allez. Qu'est-ce que c'est? C'est très chaud, hein? C'est brûlant. Je sais pas, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Je n'en peux plus. Il a perdu. Les amis, c'était une arnaque. Ce n'est pas normal.